Une convention a été signée entre l'UDE MEDEF et la compagnie aérienne Corsair. Elle lance une offre de lancement spéciale pour les adhérents UDE ainsi que sa nouvelle classe business. Une nouvelle classe proposée depuis septembre, située à l'avant de l'Airbus ou à l'étage des Boeing. Au total, 12 sièges transformables en lits. Les clients business bénéficient d'une franchise cabine jusqu'à 18 kg et de deux bagages en dessous de 32 kg chacun. Et côté repas, le chef Rostang et la maison Petrosian leur proposeront un menu gastronomique. Un confort de voyage essentiel pour les membres de l'UDE MEDEF. C'est un combat, on va dire, et un entretien de longue date. On a signé ce contrat de partenariat la première fois et maintenant il y a ça 3 ans. Et le but était pour nous d'avoir, pour nos adhérents, une offre de voyage à un prix constant et avec une belle offre. Donc Corsair a fait évoluer au fur et à mesure son offre. Aujourd'hui, il nous présente une formule business avec une cabine où on est couché. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains patrons voyagent des fois moins de 48 heures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le PDG adjoint qui vient nous présenter ça. Une nouvelle classe qui confirme la montée en gamme de la compagnie Corsair, qui doit faire face à une concurrence rude avec l'arrivée de la compagnie aérienne low cost long courrier Level, qui va desservir dès 2018 la Guadeloupe depuis Paris pour un prix d'appel de 99 € l'aller simple en classe économie, mais sans aucune prestation à bord. Nous, comme vous voyez, on a définitivement choisi de travailler sur l'ensemble des segments, d'offrir à la fois des tarifs très compétitifs. Je rappelle qu'à l'occasion de Black Friday, on avait des tarifs à 299 € aller-retour en classe économique, donc vraiment avec les prestations comprises, avec un repas, avec un coussin à bord, une couverture, donc vraiment quelque chose de très accessible. Et en même temps, répondre à la demande des hommes d'affaires, pouvoir offrir un service de qualité avec une prestation de qualité. Ça, c'est notre ADN. Nous continuerons à le faire. Nous serons vigilants vis-à-vis de l'offre low cost, mais nous pensons qu'il s'agit de deux segments différents sur le marché et qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme vous le savez, Corsair a entamé depuis maintenant un certain nombre d'années une montée en gamme. Nous avons décidé de conserver notre image de compagnie, je dirais, qui aime les familles et qui aime le voyage des familles, mais aussi d'offrir pour les hommes d'affaires, une offre à la fois en grand large et en business pour pouvoir aussi se rendre à Paris, arriver en forme à Paris pour faire des affaires et pouvoir faire des voyages très courts, mais toujours avec cet ADN de Corsair d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Les derniers chiffres du chômage montraient une légère hausse du nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, une situation qui touche particulièrement les jeunes en Guadeloupe. Plus de 7200 jeunes de moins de 25 ans sont actuellement demandeurs d'emploi. Et c'est à ce public de moins de 30 ans que l'école régionale de la deuxième chance s'adresse, en leur proposant des formations afin de permettre l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes. Portée par la région Guadeloupe, l'école de la deuxième chance permet aux jeunes d'entamer une réinsertion professionnelle et sociale. Un élément important, car c'est en cela que ce dispositif pédagogique se différencie des autres écoles. Étape intermédiaire qui permet aux jeunes d'accéder à une formation ou un emploi. Critère principal d'admission, la motivation et une idée de projet. La première étape, c'est de l'aider à se connaître. Maintenant, à partir des éléments qu'il va comprendre, nous allons l'aider à connaître l'environnement dans lequel il évolue, c'est-à-dire connaître un peu les métiers porteurs, les entreprises qui embauchent, etc. Et avec ces deux éléments, il va faire un choix de métier. Depuis 2010, l'école régionale de la deuxième chance a reçu plus de 4500 jeunes, 563 stagiaires rien que pour l'année 2016, avec un taux de réussite de 64%, un taux non négligeable. Et pour ceux qui ne trouvent tout simplement pas de sortie positive, l'école continue de les soutenir. Dans ce post-parcours, le jeune est suivi à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois. À partir du moment où un jeune rentre au sein du dispositif, nous ne le lâchons plus. Nous avons jusqu'à 5 ans. Après Jarry et Saint-Claude, d'autres antennes ont été ouvertes dans la région, comme celle de Capesterre-Belle-Eau, afin de se rapprocher des jeunes guadeloupéens. La grande problématique des jeunes
en Guadeloupe, mais de façon générale, c'est celle de pouvoir pousser la porte des institutions. Donc, nous mettons en place donc, des antennes dans les communes, de manière à pouvoir rapprocher des jeunes, donc des institutions. Ici, à Capesterre-Belle, donc une antenne qui est ouverte au mois de janvier. Marie-Galante, où nous avons aussi une antenne pour les îles du Sud, qui a ouvert donc, il y a de cela 6 mois. Et donc, nous travaillons avec aussi donc, les maires dans les communes, afin de pouvoir mettre en place des actions ponctuelles. Et depuis la rentrée, les jeunes peuvent également se rendre à la nouvelle antenne située au Moule, qui après plusieurs années de travaux a enfin ouvert ses portes au public. L'école régionale de la deuxième chance s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, sans emploi ni diplôme, mais dotés d'une grande motivation. Depuis 2007, l'école a reçu plus de 5000 stagiaires. Nous nous sommes rendus sur le site de Jarry afin de rencontrer ces jeunes inscrits dans le dispositif. Une ambiance studieuse, un suivi personnalisé. Ici, à l'école régionale de la deuxième chance, les stagiaires sont accompagnés en fonction de leur niveau d'études et de leur profil. Et cela, dans le but d'être formés à un métier. C'est le cas de Varina Nelly, 19 ans, de la commune du Moule. À l'école de la deuxième chance, tu n'es pas là pour 1 an ou 2 ans. C'est en fonction de ta motivation, de ce que tu souhaites faire. Si tu es motivé, tu peux être inséré, tu peux être ici pendant 2 ans ou bien, même pas 2 ans, mais pendant 2 mois, 3 mois, on te trouve déjà un boulot. Trouver un boulot, c'est évidemment l'objectif de tous ces stagiaires, mais avant, ils sont accompagnés par des formateurs qui n'ont pas seulement le rôle d'enseigner. Le travail du formateur ici à l'école ne se limite pas seulement à inculquer des connaissances en mathématiques, en français, en bureautique. Ça va plus loin. C'est vraiment un accompagnement sur le plan personnel. Il faut être à l'écoute de la personne. Il faut savoir l'écouter, voir quels sont ses besoins pour adapter, pour savoir comment l'accompagner pour qu'il aille jusqu'au bout. Écouter, accompagner, aider à aller jusqu'au bout, c'est finalement l'engagement de tout le personnel encadrant de l'école, y compris celui du pôle social, qui n'abandonne pas le stagiaire tant qu'il n'a pas trouvé de solution sur la durée. Autant vous dire que ce sont des jeunes qui ont besoin qu'on les accompagne sur tout le volet social avant de pouvoir eux-mêmes s'insérer et que la société les accepte en son sein. Il faut savoir que je suis assistante sociale le temps que les jeunes sont à l'école, mais l'après aussi. Donc tant que ces jeunes n'ont pas trouvé une solution pérenne, je continue à les accompagner. Notez enfin, le R2C reçoit des stagiaires de 18 à 30 ans. En moyenne, un stagiaire siège au sein de l'école environ 1 à 2 ans. Au-delà de ce délai, si le stagiaire n'a pas trouvé sa voie, l'école continue à l'accompagner. Avec son panel de formation, l'école régionale de la deuxième chance répond aux demandes des chefs d'entreprise en leur permettant d'embaucher des jeunes formés dans leur secteur d'activité. Des jeunes stagiaires motivés et qui pourront être directement embauchés à la fin de leur formation, une charge salariale stable et une aide administrative fournie par l'école, autant d'éléments qui ont su séduire cette jeune entreprise de livraison de repas. Imenu FR, jeune start-up de livraison, fait le pari de la jeunesse pour développer son entreprise. Sur le marché depuis plus de 2 ans, cette entreprise a misé sur l'embauche de 12 stagiaires par l'intermédiaire de l'école régionale de la deuxième chance. Le credo du chef d'entreprise, l'insertion. On voit qu'en fait, Imenu FR, la plateforme elle-même, elle a un objectif aussi qui est l'insertion des jeunes. Dès la création, on a voulu mettre en avant les jeunes et leur donner une chance d'avoir un emploi, en fait. Que ce soit un premier, un deuxième ou un troisième emploi, c'est de permettre aux jeunes d'accéder au monde du travail sans discrimination. En alternance depuis 7 mois, Paul-Vivien Zircon, jeune stagiaire de 26 ans, bénéficie du dispositif de l'école régionale de la deuxième chance. En cours le matin de 8h à 10h, il poursuit sa journée directement en entreprise jusqu'à 15h, où il met en pratique ce qu'il a appris dans sa formation liée à la livraison de petits colis. On a été formé pour savoir comment gérer les scooters, les entretiens et tout. Et par la suite, on est venu pour pouvoir pratiquer ce qu'on voulait faire ici en entreprise. Bon, j'ai des offres ailleurs, mais je pense que je vais continuer ici, à Imenu.
Comme avec ImenuFR, l'école régionale accompagne les entreprises dans le recrutement de jeunes non diplômés, du début du stage jusqu'à l'embauche, et propose des types de contrats différents selon le profil du jeune, afin de faciliter les démarches administratives pour les entreprises. En ce début de période de fête de fin d'année, les initiatives solidaires se multiplient en Guadeloupe afin d'apporter un peu de joie aux habitants des îles du Nord, sinistrés depuis le passage de l'ouragan Irma en septembre dernier. Air Caraïbes, Orange, la Seine-Saint-Marc, l'association La Bonne Espérance, la Caisse d'épargne CEPAC se sont associés afin d'offrir des cadeaux aux enfants de Saint-Martin, qui seront acheminés par avion avec le Père Noël. Un voyage rendu possible grâce à la compagnie aérienne Air Caraïbes. C'est important aussi de s'associer avec la collectivité pour que les enfants, puisqu'on a Noël approche, puissent quand même fêter un Noël joyeux malgré ce qui est arrivé il y a 3 mois. Donc le président Gribbs et la collectivité, l'Office du tourisme, on s'est associé avec eux pour pouvoir offrir aux enfants saint-martinois qui font partie des plus défavorisés 3000 à 3500 cadeaux que nous amènerons avec le Père Noël et un avion de la compagnie. Donc l'opération transportera les cadeaux, ils seront distribués et il y aura un grand chanté Noël le soir. Et on est en association bien entendu avec l'Office du tourisme de Saint-Martin, qu'il soit présent à Saint-Martin ou à Paris, avec la collectivité pour participer à cette relance. Il faut faire venir des éducteurs de journalistes, il faut faire venir des éducteurs d'agences, bien sûr on y participera. Et puis nous on souhaite bien entendu que le tourisme soit relancé. Cette opération est aussi l'occasion de faire un point sur l'état d'avancement de la reconstruction de l'île et de remercier la population guadeloupéenne pour toute l'aide qu'elle a pu apporter après le passage de cet ouragan dévastateur. Pour être honnête, après 3 mois, je pense qu'on est assez contents, nous, quand on regarde l'évolution de Saint-Martin. Il y a 3 mois, je vous aurais répondu, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se relever, mais je dis un grand bravo aux associations, à tout ce que l'État a fait pour nous jusqu'à présent, aux Saint-Martinois qui se sont donnés à fond, à 200%, pour essayer de faire en sorte que Saint-Martin puisse se redémarrer. Certes, nous ne sommes pas encore à 100%, nous ne sommes pas opérationnels, il ne faut pas se voler la face, mais nous faisons tout ce qu'il faut pour y arriver en fait, et pour arriver à être à 100% pour la nouvelle saison 2018.